Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour le 8e épisode d'Une fin de loup, où nous continuons notre périple et découvrons le 2e niveau de glace, qui sera bien plus intense. Déjà vous voyez des bouts de map qui ne sont pas présents avec ces points d'interrogation. Et un magnifique boom qui sera des plus beaux effets. On va aller voir ça. Oh là 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 là, mais cette caméra. Alors déjà, on a des pas. Voilà. On peut laisser des pas dans la neige. Commençons tout de suite avec notre inventaire. Costume de mouton. Eh oui. Pour se déguiser en mouton. Pour parler à un mouton, appuie une fois sur X. Si un mouton te répond et qu'il est prêt, c'est qu'il est prêt à te suivre. Si tu appuies de nouveau sur X et que le mouton répond une deuxième fois, il s'arrêtera là où il est. Là. Voilà. Détecteur de métaux. Détecteur de métaux, très utile pour détecter des pièges ou tout objet en métal caché dans le sol. Bah oui, évidemment. Et donc les mines, les fameuses mines que nous avons découvertes juste avant. Alors bon, on a une boule, on nous propose de la pousser. On la pousse, hein, voilà, tout simplement. On remarque que c'est une boule très particulière qui a un chemin particulier. Voilà, c'est comme ça. Hein. On fait avec. On s'adapte, nous. On s'adapte, monsieur. Quand même, la boule grossit vite. Hein. On remarque, la toffée de s'énerver. Donc, si vous faites ça dans votre jardin, je ne suis pas convaincu que ça marchera de la même façon. Nous avons un costume, waouh! Oh mince, il faut qu'on aille le chercher. Oh, je suis tombé, je ne peux plus remonter. Il faut que j'avance. Allez, let's go. Pour le pire. Oh là là, mais celle-là, mais j'ai mis tellement de temps à comprendre comment ça marchait. Oh, bordel! C'est un raté puisque nous glissons. Et rond, triangle. Oh, oh là 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 là. On sent que j'ai joué quand même. Allez, let's go. Alors d'abord, on va faire celle-là aussi, tant qu'à faire. Waouh, carré, triple, triangle. Allez, let's go. Donc là, on en aura un pour juste après. Donc, eh bien, malheureusement, il va nous falloir une mine ici. Et une mine là-dessus. Mais comment faire? Et on pousse. On pousse, ça explose. Et on repousse. Et on pousse, sauf qu'il faut que ça marche. Et là, vous dites, mais comment t'as fait pour pas comprendre tout de suite? Bah écoutez, je ne sais pas. Je me rappelle que j'avais galéré à l'époque. Carrément. Du coup, elle est revenue. Comme on n'aime pas avoir des inventaires vides, et ben on va la reprendre. Carré, triangle. 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 Waouh!
On a une mine qui explose ici. En vrai, c'est marrant. Mais... Bon, voilà, on va éviter. Hein. On va éviter de se poser ce genre de questions-là. Allez, let's go. Ouvre-moi donc cette porte. Oh, oh, c'est raté. Oh, c'est raté. Wouhou! De toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'il y aille. Alors, maintenant, nous avons un cul-de-sac. Nous avons une mine. Et comme toutes les mines, il faut les prendre. Oh là, la croix, mon dieu. Alors, ça ira jamais au-dessus du 4. Hein. Ce qui fait que c'est tout à fait envisageable. Oh, il s'en... Oui, ça glisse et du coup ça galère un peu. Voilà, bon. Alors faisons le tour. Nous avons un bouton ici qui permet d'ouvrir la grille. Un cul-de-sac là-bas. Une mine ici. Ah, une mine! Ah, celle-là, elle est gentille. Elle est fort sympathique à prendre, celle-ci. Mais maintenant, que faire? Eh bien, ce serait simple. Déjà, on va prendre les autres mines. C'est raté. Parce que sinon, on peut pas s'amuser... faire un truc totalement drôle. J'ai tellement failli appuyer sur triangle. Hein. J'ai complètement failli appuyer sur triangle. C'est vraiment étrange parce que je me rappelle quand j'étais petit avoir galéré comme un fou ici alors qu'en fait c'est monstrueusement simple. Et à chaque fois que je rejoue le jeu, je me dis mais c'était vraiment trop simple. Comment j'ai fait pour ne pas comprendre? Oula, c'est tout. Alors on se dit, oh bah il suffit de pousser là, ouais mais sauf que ça suffit pas. Hein. Et pourquoi ça ne suffit pas? Bah parce que c'est bien d'ouvrir, mais sauf que l'autre porte n'est pas cassée encore. Et oui j'ai mis. Il faut déjà aller casser cet endroit là. Maintenant que c'est cassé. On peut retourner là-bas. Et là on se dit, ah oh, ça serait bien, mais non. Voilà, qui ne suffit pas. Ah oh, c'est un peu, voilà, un peu de patinage artistique. Ouf, oh c'est raté. On remarquerait que ce coin-là n'est jamais accessible. Oh, c'est ton détail. Oh, ça marche! La mine revient? Yes, elle est revenue. J'aime avoir des mines dans mon inventaire. Voilà! Comme ça, on pourra s'amuser. Si jamais on rencontre du monde. Oh! Et bah, je galère. Voilà, nous voilà sortis. Il y a une maison. Acme Snowball. On va quand même aller voir ce panneau d'abord. Il est déconseillé d'entrer dans cette grotte sans mouton. Un spectateur admiratif. Oh, c'est trop beau. C'est trop mignon, j'ai déjà des fans. Attention, mine. Tu m'en diras de temps. Tu m'en diras de temps. Alors, on marque si tout droit et à droite, il y a de la mine. On va aller à gauche. Oh.
pourquoi j'essaye pas avant, vous me direz. Bah, tout simplement parce que c'est comme ça que ça marche. Il y a des mines partout, en fait. Il y a des mines partout. Partout. Il n'y a que un chemin qui permet d'y arriver ça. Encore un panneau. Le premier mouton que je vois bouger, je le ramène dans le troupeau. Sam. Regardez ça. Oh, je suis mignon. Allez. Je vais vous montrer ça quand même. Bah, il veut pas? Ah, voilà. Comme une valise. On remarque qu'il ne sent pas ma fermeture éclair. C'est quand même un torsionnaire assez monstrueux parce que il empêche ses moutons de bouger. Là, ils sont tous là. Il y en a un qui bouge, je le démonte. C'est dur, quoi. Moi, je trouve ça dur. Ah. Il n'a pas aimé. Ah non, on me fait revenir là. Ah ça c'est méchant ça. Ça c'est très vilain ça. Ouh. Voilà, vous comprenez pourquoi il y a des mines, il y a une vraiment partout. Si je dérogue un peu au chemin. Là. Voilà. Au chemin déterminé, ça marche pas. Après, on peut tenter des trucs comme ça, hein, genre, mais... Mais bon. Ça marche pas très bien non plus. Alors, il me semble... que si on fait un truc comme ça, ça passe. Ah oui, non, ils ont même mis des mines en l'air. En tout cas, bon, avec une immense chance, vous pouvez tenter de parvenir... à passer sans utiliser le détecteur, mais bon, je vous avoue que ça reste assez fumeux. Parce que du coup, me donne finalement un peu peur sur mon idée de mettre une mine derrière ça. Non, mais ne regardez pas, voyons. Ah, je bouge pas. Je pense que c'est possible. Mais je vous avoue que celui-là, je ne sais plus si je l'ai déjà fait. Ah non, mais vraiment, il me détecte direct. C'est... Ok. Bon, bah d'accord, ok, j'arrête. Bon, bien désolé. Nous ne pourrons pas faire exploser Sam dans cet épisode. J'en suis extrêmement triste. Et malheureusement, c'est ainsi. Et là, vous dites... Mais comment on va faire pour ramener le mouton? C'est une bonne question. Oh non! Ah là 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 là. Ah, les mines, c'est pas cool, hein. Les mines, c'est pas cool du tout. Il y en a sur deux épisodes, et ouais. C'est pas cool. Parce que bon, voilà, vous pouvez aller tout doucement. Attendre à chaque fois d'être bien sûr que c'est tout bon. Voilà, j'ai pas envie non plus de vous faire une vidéo de 20 minutes. Mais bon, par la force des choses, nous y dirigeons. Eh, hey, j'ai pas bougé. Haha, les hormones. Bouge pas mon gars. Et d'où il nous suit? Vas-y, lâche-nous. Ah, il a chopé mon pote.
Oh Sam, t'es lourd. Ouais, viens me chercher. Mais on bougeait même pas. T'abuses. Bon, cette fois-ci, on est discret. Discret. Ciao, ciao, ciao. Ninja. Bouge plus. Bouge plus. Bouge plus. Mais non, t'as bougé. Oh là là. Ah, c'est terrible. Ce chien de berger exemplaire. Haha, c'est le même qui revient. Il me kiffe trop. T'es foutu, Sam. Tu n'empêcheras pas notre amour. Ah si. Bon, le côté gauche me semble bien plus facile. Donc tant pis, on va changer d'amoureux. Haha. C'est parti. Bouge plus. Parti. Bouge plus. C'est parti. Bravo mon copain. On a gagné. Alors. Et là toute la difficulté. Il faut marcher sur nos traces. Alors, ils sont bien gentils parce qu'au bout d'un moment, elle s'efface en fait. Mais je suis allé assez vite pour ne pas être embêté par ce détail. Alors, pourquoi je me mets en silencieux? Parce qu'il marche beaucoup plus en ligne droite. Voilà. Excellent, excellent. C'est bon, nous rentrons dans la dernière phase. Avec... Oh, je relis ce commentaire. Oh, n'hésitez pas à mettre des commentaires. De ce spectateur admiratif. Posons mon bon. Let's go. Alors, jamais de la vie, je fais ça. Hein. En vrai, de vrai... Non. Non. Remarquez que si on n'en voit pas l'autre... Oui, c'est très dangereux, hein. La caméra est assez... assez capricieuse, là, dans cet exemple. Allez. Mais faut éviter de tomber. Une fois, je l'ai posé et je l'ai renvoyé de l'autre côté. On peut passer direct aussi. C'est plus simple, c'est plus simple. On le pose ici. Oh mince. Nous avons un bloc aussi là-bas. Fort bon. Alors là... Si on le met vraiment collé... On ouvre. Ah oui, je me rappelle. Évidemment. Salut. Mais vous n'êtes pas une femme, et encore moins une moutonne. Et ouais. Oh, t'aimes bien les boutons. Oh oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien les boutons. Let's go. Oui, je vous épargne la réflexion intense qu'il faut porter à cet petit exercice. C'est ceci qu'il faut faire. Let's go! Eh oui, je sais. Je sais, vous êtes impressionné. C'est normal. Et voilà le travail! Bon, épisode un peu explosif, je dirais. Mais nous en sommes tirés, et c'est ça qui compte. Donc voilà qui termine ce huitième épisode
du let's play d'une fin de loup. Alors vous aurez remarqué, les épisodes se suivent, s'enchaînent assez vite. Déjà parce que bah, j'ai plus énormément de contenu d'avance comparé à toutes mes productions précédentes. Un jour ça reviendra, il y aura beaucoup plus de variété, mais voilà. Et comme en plus ce let's play est assez long, parce qu'il reste encore 9 épisodes, comme vous pouvez le voir, bah mine de rien en fait j'ai envie de vous le montrer. J'ai envie de vous le faire et en entier parce que c'est vraiment le meilleur jeu qui existe sur PS1, donc... Voilà, ces deux raisons font que... Bien joué! Notre concurrent est stupéfiant! Mais il n'en prend pas. Ces deux raisons font que, voilà, vous avez beaucoup d'épisodes d'une fin de loup, parce que c'est cool. Donc voilà, merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Adroft!